Bonjour à tous, bonjour à tous. Sid avec vous. Donc là, je vais vous faire le VeChain, VeChain. Donc VeChain ici, zone de neutralité. Là, pendant longtemps. Avec une grosse accumulation qui s'est faite, qui a duré longtemps, qui a commencé à partir en janvier 2021. La queue, elle a duré pratiquement août 2018 et jusqu'à janvier 2021. Ensuite, une hausse en ATH effectuée. Ici le 16 avril 2021, et ensuite on a eu une cause qui s'est effectuée, une cause de distribution, donc BCARST saut. Donc là on est sur le saut. Donc le saut pour moi n'est pas terminé. Donc on est en plein dedans. Grosse zone de range si vous préférez, grosse zone d'équilibre avec des hausses bien sûr. On peut travailler dedans aussi, faire du trading à l'intérieur. On avait une baisse ici, une zone d'accumulation ici qui se met en place. SCARST. ST a pris AR, est redescendu. On n'a pas pris la liquidité du SC pour l'instant. À l'intérieur de cette grande accumulation, on a eu une autre accumulation. SCST, STB Spring, où on a eu les trois prises de liquidité avec une hausse ici, et on est parti chercher ici cette liquidité-là. À partir d'ici, on a fait un BC, une distrib, BCARST. Vu que ST a pris BC, donc c'est une réaccumulation. D'accord? Ce qui a justifié la chute du prix. Donc BCARST. ST devait emmener le prix en dessous du AR, ce qui est effectué. Donc là, pour l'instant, en mode observation, pour aller chercher le meilleur point d'entrée. On est en zone discount pour VeChain. L'idéal, ce serait de casser bien sûr ici la ligne bleue là qui est à 0,052 pour aller faire au moins le STB. Pour aller faire au moins le STB pour une grosse réaction haussière et aller chercher au-dessus du ST jaune ici qui validerait l'accumulation ici daily, la grosse accumulation daily sans parler de ce qu'il y a à l'intérieur. Ça validerait également la réaccu BCARST SC. SC enfonce ici, prend la liquidité du SC et ira vers le haut. Donc, on a une grosse prise de liquidité qui amènera le prix vers le haut, d'accord? Au-dessus du ST déjà en première étape. Et après, on verra qu'est-ce qui se passe. Pour l'instant, je l'attends un peu plus bas pour information pour ma part. Mais vous êtes en zone discount, donc si vous voulez le mettre en portefeuille, vous pouvez, ou si vous l'avez déjà en portefeuille, il va falloir attendre parce qu'il fait des mouvements. Donc, il va mettre du temps avant d'aller chercher son ATH. D'accord? Voilà pour VeChain. Bonne journée à tous. Ciao, ciao, bye bye.